maintenant le coup d'envoi de cette rencontre de ce quart de finale de Coupe de France. Après leur bon parcours la saison dernière qui s'était terminée du côté des duettes avec les boissons, les sandwichs, les bières et les bonbons, ça se trouve du côté des coursives du Palais des Sports, et juste en face vous retrouverez la boutique avec les posters de la saison 2022-2023 et les maillots de cette saison. N'hésitez pas à vous y rendre. Allez, bien sûr, deux dates déjà à noter dans les agendas. Le 8 février, ça sera mercredi prochain, à 20h, le ESBF recevra la JPA Dijon pour le derby. Ça sera la 14e journée de début de la Ligue d'Energie. David Crismano et Thomas Ictis. Le délégué de la Fédération française de handball, M. Frédéric Garcia. Les officiers Ryan et Daniel. La numéro 5 est capitaine Djelava-Sy. Gardienne de but, la numéro 16, Jovana Dijewska. La numéro 99, Maria Tchovic. La numéro 13, Jazz Chambertin. Numéro 14, Julia Fabo. La numéro 15, Anne-Emmanuelle Robustier. La numéro 17, Marie Provencier. Numéro 19, Adriana Olejova. Numéro 20, Matilda Diawara. La numéro 31, Marie Fall. Numéro 44, Laurie Nathaniel. La numéro 49, Aimé Van Pereira. Numéro 66, Wendy Semedo Montero. Et numéro 70, Margot Ledevec. Entraîneur pour le GC Nice, Clément Alcacer et Erwan Roudou. Je l'accueille tout de suite, la capitaine et numéro 23, Pauline Robert. Gardienne de but et numéro 12, Tony. La numéro 87, Satura. Les entraîneurs pour le FDF Sébastien Bizoul, Tom Garnier, Fabien Vidal et Henri Boyer. Allez, dans quelques instants, on procédera au coup d'envoi fictif de cette rencontre. Une nouvelle compétition de vos équipes de France A, Beach et Jeunes, et aussi des insides, reportages, matchs de légende, replay et bien plus encore. Manger au cœur du handball professionnel français avec handball de l'équipe. vos chandelles. On va reprendre avec les Red Panthers, avec la tribune Super U, avec la tribune Aesio. Attention. Allez! Vous avez juste à écouter Zazaï.